Bonjour, la 8e édition des Assises internationales du journalisme et de l'information a lieu à Metz les 16, 17 et 18 octobre prochains à l'Arsenal. Les Assises du journalisme et de l'information ont été créées pour tenter de définir les conditions de production d'une information de qualité dans la France du 21e siècle, soutenue par l'ensemble des acteurs de la profession, respectueux de la liberté de chacun. La manifestation se veut avant tout un lieu d'échange et de réflexion sur le journalisme, sa pratique, indépendante de toute tutelle, un lien ouvert aux journalistes et aux éditeurs, aux étudiants et enseignants, aux chercheurs, mais aussi et surtout aux citoyens. Les Assises internationales du journalisme sont organisées par l'association Journalisme Citoyen à l'initiative de son président. Donc Jérôme Bouvier, je suis journaliste en l'occurrence organisateur des Assises internationales du journalisme et de l'information au titre de l'association Journalisme et Citoyenneté que nous avons créée pour mettre en débat toutes les questions de la production de l'information avec le grand public. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être rapidement donner une petite définition du journaliste ? Un journaliste, c'est quoi ? Un journaliste, c'est quoi ? Alors, c'est une bonne question, parce qu'on essaye de, au moment où on est bouleversé par la révolution numérique, on essaye de se reposer la question quotidiennement. C'est d'abord quelqu'un qui va chercher l'information, qui va sur le terrain, ce que nous faisons parfois de moins en moins, qui va la vérifier, cette information, qui va ne pas simplement reproduire ce qu'il a vu sur d'autres médias ou ce qu'il a reçu sur Twitter ou sur Facebook, qui va vérifier que cette information qu'il reproduit ou qu'il cherche est bonne, et qu'il la propose au public de façon attractive, évidemment, mais en respectant aussi un certain nombre de règles sur le respect de la vie privée, par exemple, ou d'autres règles de ce type, et qui est libre et qui est indépendant et des pouvoirs politiques et des pouvoirs économiques et qui essaye d'apporter à chaque citoyen une information qui lui permette de se forger sa propre opinion. Je crois que c'est pas aux journalistes de dire au public tiens voilà ce qu'il faut penser, ça le public est assez grand pour le penser lui-même, mais de lui apporter des éléments d'information pour que ce public soit en mesure de se forger son opinion et d'agir après en toute responsabilité dans la société, voilà la définition que je donnerais du journalisme. Alors, ces assises sont à Metz, alors pourquoi ce choix de Metz ? Alors, c'est au début, nous avons démarré c'est le grand rendez-vous de la profession, on a démarré à Lille, puis nous sommes allés à Strasbourg, puis nous sommes allés à Poitiers, et c'est l'envie des collectivités locales de Metz et de Lorraine de nous accueillir, à laquelle nous avons été très sensibles, et aussi de travailler pendant 2 ans avec l'Observatoire du web de journalisme de l'Université de Lorraine, qui défriche un peu les nouveaux chemins du métier. On était très intéressés par ce que faisait l'Obsweb et donc nous avons décidé de nous fiancer pendant 2 ans à Metz. Et comme l'année dernière, on avait été vraiment très, très heureux de l'accueil et du succès qu'il y avait eu autour des assises à l'Arsenal de Metz. Et bien, nous sommes très heureux de recommencer le 16, 17 et 18 octobre de cette année. Alors le journalisme, un homme responsable, c'est le thème de cette année ? Un homme ou une femme responsable, parce que nous voulons rappeler aussi à l'occasion de ces assises que les journalistes ne sont pas tous des hommes, mais qu'ils sont aussi des femmes. Et donc nous aurons une soirée d'ouverture, par exemple, le jeudi 16 octobre au soir. On espère que le public sera nombreux avec uniquement des femmes qui sont en direction de rédaction et pour prouver qu'elles sont aujourd'hui aux manettes, que ce soit la directrice de l'AFP, la directrice de iTélé ou la directrice de RFI, des consoeurs qui prennent leurs responsabilités justement et montrent le chemin. Responsable pourquoi ? Parce que on a décidé d'en faire le thème parce que beaucoup de nos auditeurs, de nos lecteurs, de nos téléspectateurs nous reprochent d'être irresponsables. Les gens ils se disent vous êtes irresponsables, c'est vous qui êtes responsable de la montée de la violence, de la montée du vote protestataire, c'est vous qui faites en sorte qu'on perde les valeurs, etc. Et donc nous on a eu aussi envie de répondre à cette critique et aussi de dire eh ben, le journaliste, c'est aussi une attitude responsable, comme on parle de citoyens responsables en termes d'écologie. Il y a un journalisme responsable et on a envie de le vanter à l'occasion de ces assises.
Alors comment se décompose un petit peu ces trois journées à Metz ? Alors une trentaine d'ateliers, de débats, de rencontres, d'expositions, de spectacles où nous convions le grand public, car encore une fois notre but est de débattre avec le grand public des conditions de production de l'information. Donc si vous êtes intéressé par la bande dessinée comme outil d'information, par tout ce qui se fait sur Facebook, Twitter, le téléphone mobile, toutes les innovations, il faut venir en débattre aux assises. Sur la vie privée, par exemple, la rédactrice en chef de Closer qui a révélé cette fameuse photo d'un homme en scooter sera là pour débattre de ces questions, mais aussi bien d'autres thématiques avec la soirée envoyée spéciale. J'espère que vous serez nombreux, amis lorrains, à venir y assister. Guylaine Chenu et Françoise Joly, les responsables d'envoyé spécial, seront présentes pour une grande soirée sur le grand reportage avec trois de leurs grands reporters pour expliquer comment elles travaillent, pour aller un peu dans les coulisses de cette émission mythique de France 2. Donc ça, c'est une autre soirée. Ça sera le 17 octobre, le vendredi 17 octobre. Et puis le samedi, donc on a souhaité voir un peu si le public pouvait se rendre plus disponible le samedi. Nous avons un grand débat sur la place des femmes dans le journalisme, notamment, sur lequel nous espérons être nombreux. Et puis des débats dans les cinémas, au cinéma Caméo, avec La Folle 77, un cinéma sur le cinéma de guerre. Donc voilà, une offre que vous pouvez découvrir sur journalisme.com. Vous pouvez trouver sur cette adresse absolument toutes les informations. Je rappelle aussi à vos publics que non seulement vous y êtes cordialement invités, mais que l'entrée est libre et que plus vous serez nombreux, plus nous serons heureux. Et puis il vaut mieux peut-être se préinscrire. Alors oui, pour des raisons d'efficacité, c'est vrai que si vous pouvez aller sur le site journaliste.com et vous inscrire sur internet, c'est plus simple. Mais même si vous ne le faites pas et que vous n'avez pas eu le temps de le faire, on ne vous en voudra pas. Mais pour notre organisation, pour les salles et tout ça, c'est vrai que c'est plus simple si vous pouvez le faire. Arnaud Mercier, donc je suis professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine et je dirige l'Observatoire du web journalisme. Tout à l'heure, j'ai demandé ce qu'était la définition d'un journaliste. Est-ce qu'on peut faire une définition du journaliste de demain ou est-ce qu'on a déjà une petite idée de ce que ça va devenir ? Oui, je crois que le journaliste de demain, il est déjà en train de se dessiner. Hein. Je crois que avec les technologies numériques, les journalistes sont condamnés à, mais c'est pas forcément une condamnation, d'ailleurs ça peut être une force, à devenir de plus en plus multimédia. Un peu journaliste Shiva, une caméra dans une main, dans une autre un micro, dans une autre un stylo, dans une quatrième un appareil photo, ça devient vraiment compliqué tout ça. Mais je crois que effectivement, ils sont obligés d'avoir une série de compétences multiples et de penser surtout la hiérarchisation de ces supports et de ces formats pour faire quelque chose qu'on appelle en bon français du rich media, c'est-à-dire un média où on pense effectivement l'articulation entre les différents supports multimédia et pourquoi ça on le fera plutôt en vidéo ou plutôt en son, pourquoi ça on le fera plutôt en photo, enfin voilà. Alors ça fera partie et l'objet peut-être de table ronde finalement au sein de ces assises. Absolument, dans le cadre des assises avec l'Observatoire du webjournalisme, on essaye de réfléchir vraiment aux mutations du métier. Du coup, on proposera plusieurs tables rondes liées justement à ces mutations numériques, des choses qui articulent des aspects techniques, comme par exemple des dispositifs techniques de couverture en live sur des sites internet ou l'usage des réseaux sociaux de type Facebook et Twitter pour informer et s'informer. Avec des considérations de type comment organiser les rédactions, comment repenser le travail du journalisme et en même temps quelle responsabilité ça pose puisque c'est une des thématiques centrales de cette année pour les assises parce que ça pose des tas de problématiques de type est-ce que je peux retweeter sans vérifier l'information, comment j'intègre les participations du public à des dispositifs de couverture live, faire attention les diffamations qu'ils peuvent avoir, les dérapages, enfin voilà, je crois que c'est effectivement plusieurs thématiques qui permettent de se poser vraiment la question de la mutation de l'information numérique du point de vue des journalistes mais aussi du point de vue des citoyens, comment on s'informe et qu'est-ce qu'on nous donne pour nous informer. Alors comment ça se passe cette école de web journaliste à Metz? Alors c'est un master, donc maintenant on a 2 ans, ça s'appelle donc
officiellement journalisme et médias numériques. On y apprend l'art et la manière d'essayer d'être un journaliste multimédia, tel que je le définissais tout à l'heure, un Shiva journaliste, avec aussi une culture, moi c'est ce que j'essaye d'inculquer à nos étudiants, une culture de l'innovation. Donc on essaye des choses, là, on fait un peu de drone pour filmer, pour produire quelques éléments de reportage. Là, cette année, on se lance dans un truc complètement à l'aveugle, on ne sait pas ce que ça va donner, ça va être expérimental. On va leur faire faire un news game. Donc on fait venir un des meilleurs spécialistes français de ça, avec un collègue qui enseigne le jeu vidéo, et on va essayer de leur faire créer un jeu vidéo d'information. On ne sait pas trop où on va, mais on essaye. Et puis par ailleurs, on a l'ancien rédacteur en chef de Libération.fr qui vient faire une série de stages intensifs sur la création d'un deuxième site d'information pour nos étudiants qui sera décliné sous forme d'une appli mobile. Donc on leur fait créer l'appli mobile et faire penser les contenus spécifiquement pour le mobile. Donc comment ça se passe? Ça se passe de façon extrêmement expérimentale. On tente. Des étudiants peuvent encore s'inscrire ou c'est bouclé pour cette année? Non, la rentrée a commencé, donc les dossiers d'inscription sont à retirer à partir de mars jusqu'en juin. On fait une sélection des étudiants début juillet et la rentrée se fait la première semaine de septembre. On a une vingtaine de places. Alors les débouchés, ces étudiants, quand ils vont sortir de chez vous, ils vont aller vers où? Et est-ce qu'il y a de l'emploi en fait comme journaliste aujourd'hui? Absolument. Pour l'instant, on avait avant ce master, ça s'appelait une licence professionnelle. On a transformé la licence professionnelle en master et on a plutôt un taux de placement tout à fait intéressant. Alors, il y a beaucoup, par exemple, de rédactions de presse quotidienne régionale qui étaient assez frileuses dans le développement des structures web, qui ont embauché. Donc, moi, j'en ai à Lyon Républicaine, à la Nouvelle République du Centre-Ouest, à l'Est Républicain, au Berry.fr, par exemple. Donc, il y a pas mal d'étudiants qui sont dans les cellules web, voire qui en sont la cheville ouvrière. Ensuite, on a par exemple, l'usine Nouvelle n'avait pas de site web et donc ils ont pris en stage un de mes étudiants et ils l'ont gardé, il a un CDI. Puis après, il y en a aussi au Luxembourg sur des sites comme l'Essentiel ou choses comme ça. Et on a plusieurs... Alors on a aussi par exemple, trois étudiants qui sont JRI. Parce que comme on leur apprend à être multimédia, on leur apprend aussi à tenir une caméra, ce genre de choses. Et donc, il y en a certains qui ont voulu amplifier ça. Et là, par exemple, un de mes étudiants de M1 qui a fait son stage à Bein Sport et qui ont dit qu'il était top et qu'ils voulaient le recruter. Donc, ils lui ont déjà promis le stage de 6 mois en M2 avec une perspective d'embauche à la fin. Alors, je suppose que ces étudiants seront présents au sein de ces assises du journalisme. Absolument. Pour nous, la couverture des assises est un exercice école très intensif. Pendant 3 jours, ils font que ça du matin au soir. Quand ils sortent de là, ils sont complètement rincés, cuits, mais contents et heureux d'avoir participé à un exercice où on va leur faire faire successivement du streaming caméra, du tweet live. On leur fait faire des scribbles live, c'est-à-dire justement une couverture intégrée de live. Enfin, vraiment, on essaye de leur faire tout un tas d'exercices qui permettent aussi au public, y compris celui qui ne sera pas là, de pouvoir suivre sur le site Ops Web le contenu de l'information, enfin de ce qui circule pendant ces assises. Ce sera quelle adresse ce site? Donc c'est opsweb.net.